Et je suis en 1-1 contre Nibodas. Ah, c'est voilà. Le avait, tournoi qu'il y avait eu à Bruxelles, il y a un joueur striker avec des Q et le nom. Diglingue. C'est le smash d'un screen, un truc. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on est parti. Avec le skin de Jeanne. C'est le skin de Jeanne, effectivement. C'est le skin que je joue aussi. Ah ouais? Très très résistant. Premier grab tout ça. Et. Ouais, ouais, ouais. Les égères, ça va être assez important. Et ça s'accroche, c'est un peu nul. Ça, c'est un match-up qui, contrairement à l'ancien, à l'autre, mais non, en vrai. Ouais, en effet. Ok, le F-Smash, mais en même temps, il y a un truc qui tue. Ah, il est. C'est. Il y a tout qui se passe bien pour ton niveau là. Bah écoute, c'est pas mieux, c'est le snowball ultime. Ouais. Le snowball 3 ultime. Et il a pas pu gagner sur la plateforme. Ouais, donc, pourquoi mais sur la gestion de SP et de RP, c'est bien. On est bien. T'as vu les RP? Ok. Et le. Oh, ok, je pensais. What? Ah, c'était une bonne extension en vrai. Parce que je pensais qu'il allait juste partir sur un fer après les nerfs, mais il a bien extendu. Hein. Ça, autant des combos avec le Zer et tout, j'en ai vu. Ouais. On a vu, on connaît. Et là, c'était une sacrée phase d'avantage. Ouais, le double perte. Le dernier en mixeur, t'es dit impeccable. Bon, là, on a déjà une faible d'avance. Plus une situation d'edgeguard. Et le grab game est assez bon pour le niveau pour mix-up bien. Oui, c'est surtout qu'avec les fraudes Bayou, ça va être pas. C'est vraiment des fraudes avec des rewards catastrophiques. Ouais, mais bon, ça force beaucoup le. Ah, pas très bien, ça. Ça force beaucoup à Shield, donc t'arrives à capitaliser là. Oui voilà, puis sur une bande proche en tu sais pas, tu peux catch une air dodge, ça, voilà. Ça va tuer relative. À 130% on est plus dans les règles de combo. Et le jab, on s'est cherché les jabs, c'est là où je voulais en venir. Et on a des jabs, on a des dash attacks qui peuvent tuer un peu plus tard, la Fora Throw qui va tuer vers 140. Deux stops de lead. Oh là, l'air dodge en plus là c'est les pourcents. Hein. Si ça catch avec un side B, on y est cru. C'est complexe. À 61. Ah, on commence à être dans la range de petit paquet, donc on va prendre le petit paquet. On est totalement. Ouais, voilà, note pour votre. Mettons les matchs de Bayou, ne prenez pas le site. C'est un peu un mot pour le site. Et le dans le site, t'as battu. Ok, ok, c'est okay. Dommage. Bah, ça, c'est. Parce que du coup, quand tu te fais toucher de derrière comme ça, ça. Ah, c'est. Ouais, ça va pas quand même. Voyons, et après, derrière, ok. Ça va, c'est pas. Ça a sauvé un peu la mousse. Il est obligé d'air dodge, mais il peut quand même zap tout zer. J'ai cru que c'était une air dodge autre et pas un saut air dodge l'autre. Oh, c'était fini. Ah oui. Ouais, ça me saute bien. Bon. Mais le truc, c'est que le punigame de Lucas peut jamais rivaliser contre celui de Bayo en fait. Ah oui, non, c'est obligé de tuer tôt en edgeguard pour pouvoir rivaliser. Ah, le punigame de Bayo est probablement top 5. C'est aberrant. Là où Lucas, en fait, ça demande tellement d'exécution. Bon, Bayonetta aussi. Hein. Il y a tellement une différence de monde en termes de. Et c'est juste que tu touches un air avec Lucas, c'est plus. Le combo starter que t'as le plus de chance de toucher, bah, tu vas pas faire plus de 30-40. Bah, allez. On a vu qu'il a fait un bon combo à 50-50%. C'était énorme déjà. C'était beaucoup. Mais en général, ça va pas être plus que 40. Et du coup, c'est. Là où Bayonetta, une touche de neutral vers 30 et finit à 40, la terre se finit à 60, ouais, à 90, quoi, c'est évident. C'est quoi. Ça. Donc on a du quasiment à tous les pourcents, au moins ce que j'appelle l'échelle des serpents, le truc un peu comme ça qui rajoute minimum 30% à ton adversaire. Ouais. Enfin, entre 20 et 25 à 30, donc ça marche à tous les pourcents. Ouais. Il y a même des persos. Surtout sur Lucas. Ouais, voilà, au-dessus de 120, ça va connecter. Ouais. Game 1 pour As prédit. J'ai vraiment l'impression que dans ce jeu, il y a beaucoup de fois où ça se joue beaucoup à est-ce que tu peux rivaliser avec le punish game de ton adversaire. Si jamais t'arrives pas à l'out neutral, bah, surtout des niveaux comme les nôtres. Quoi. C'est ça. Encore à top niveau, ça peut faire des différences. Ouais. Et déjà 54%. Et comme on disait, là ça peut être fini. Hein. Là c'est dommage. Ok. Vous savez que. Déjà, du probablement légèrement SDI, et du coup il s'est retrouvé à l'intérieur, du coup c'était plus connectable vers l'extérieur. C'est ça. Il pouvait tuer avec. C'est ça. Il a tenté de mix-up avec un coup avec le mag. Et donc là, la bonne SDI. Vraiment, ouais. Alors c'est au début, c'est quand même risqué d'SDI up comme Bayo. Bah avec flottie. Un flotty comme ça, t'es obligé en fait. Ah oui, si t'es SDI down, tu vas juste pas te retrouver là. On en a vu des mecs mourir juste d'eau sans prendre le fer après. Ouais.
Avec un flottis comme ça, t'es obligé parce que du coup Bayo est obligé de saut side B et elle perd son. Elle perd le jump cancel de B, le deuxième AB. Quand on a un ADK jump. Ouais, ça va comme quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Là, si il est. Oh, la SDI de fou. Il avait pas mieux SDI que ça, c'était vraiment. Non, ouais. On aurait dit Icaro contre Boom à l'UFA. S'en aller, mais au terrain encore. Ouais, ah, okay. Ça va toucher. Ouais, voilà. On se mâche. Ah, c'est encore plus. Il essaye le deuxième. Et les archers. Ok, nice. Ah, dommage de faire, il a pas connecté. Ça, c'est des dégâts, ça va pas tuer encore. Ah, c'est très très très. Ouais. On a tenté de read l'air dodge, c'est dommage. Il aurait dû, je pense qu'il aurait dû. Ouais, il a bien entendu l'air dodge. Libodax en pétard aujourd'hui. Faut bien là. Oh, les RPS 3. Il aime beaucoup ça. Mmh. Oh là ah, là, c'était la suite logique des choses. Hein, ouais. Ah là là, Pédas, il n'y a pas une SDI parfaite, ça va être la stop. Ok. Joué. SDI très très bien. Hein. Ça veut dire qu'on pense à la méta. Oui, oui, oui. Signe d'une SDI. Plus qu'impliqué. Plus qu'impliqué. T'as gonflé de la part d'un mec qui joue Kazuya quand même. Oh, oh, elle avait la ride tellement. T'as raté un. Désolé. T'as raté une ride. Ok. Pas de front. T'as raté une ride de la part de Nibola. Mais ça s'est pas passé parce qu'il a ride de smash. Là c'est. Voilà. Et en plus il a eu le signe. Là ça veut dire qu'il y avait le rideau faire. On peut faire un. Ok, Lima, calme-toi. Ah, là c'est fini. Oh, mais qu'est-ce que. Ah, ok, il est mort quand même. Là, il s'est dit, je vais tout balancer. Je vais tout faire. Je vais juste y aller et puis. Bon, moi je vais devoir aller jouer. Ouais, difficile. Bon, mec, good luck. Hein. Moi je vais peut-être aller me chercher un truc à manger. Je vais laisser le cast à quelqu'un, je pense. Yo.